Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, bonjour. Avant de démarrer cette séance, je tiens à vous informer que la désinfection complète de la salle a été effectuée, que les portes de la salle sont restées fermées jusqu'à l'heure du présent conseil, que vous disposez dans votre pupitre du gel alcoolique et que, conformément aux instructions sanitaires, celui-ci devra être utilisé avant toute manipulation des enveloppes et des bulletins de vote. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle l'installation officielle du Conseil municipal. Je vous donne lecture des résultats des élections municipales du 15 mars 2020. Nombre d'inscrits, 51 087. Nombre de votants, 19 278. Suffrages exprimés, 18 599. Dont les 5% sont 930, majorité absolue, 9301. Ont obtenu la liste du Rassemblement des citoyens calaisiens, 874 voix. La liste Respirer Calais 2020, 4 435 voix. La liste Calais pour vous, liste soutenue par le Rassemblement national, 3 332 voix. La liste Se battre au quotidien pour chaque Calaisien, 9 345 voix. La liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, 194 voix. La liste Ensemble libérons Calais, 419 voix. L'attribution et la répartition des 49 sièges à pourvoir ont été effectués conformément aux dispositions de l'article L262 du Code électoral, donnant pour la liste Respirer Calais 2020 6 sièges, pour la liste Se battre au quotidien pour chaque Calaisien 39 sièges. Calais pour vous, liste soutenue par le Rassemblement national, 4 sièges. En conséquence, sont installés dans leur fonction de conseillers municipaux Monsieur Ezzedine Cara, Madame Delphine Ledoux, Monsieur Pascal Pestre, Madame Frédérique Vanroy, Monsieur Daniel Boulogne, Madame Jannick Fontaine, Monsieur Emmanuel Ajus, Madame Michèle Duclois, Monsieur Henri Warovzik, Madame Maïté Mulot-Friscourt, Monsieur Ladislas Lozano, Madame Nicole E, Monsieur Gérard Grenat, Madame Stéphanie Guiselin, Monsieur Patrice Cambrai, Madame Patricia Basset, Monsieur Philippe Mignonnet, Madame Anaïs Lemaître, Monsieur Jean-Marc Leroy, Madame Edwige Leblond, Monsieur Dominique Daré, Madame Malika Boisy, Monsieur Laurent Lenoir, Madame Françoise Boyaval, Monsieur Hugo Marcotte Ruffin, Madame Jacqueline Dewey, Monsieur Frédéric Hainaut, Madame Amandine Leblanc, Monsieur Julien Cordénos, Madame Christine Alexandre, Monsieur Pierre Leclerc, Madame Joëlle Lannoy, Monsieur Pierre Caron, Madame Sylviane Petit, Monsieur Francis Devin, Madame Claudia Martin, Monsieur Alexandre Novosat, Madame Josiane Mouchon, Madame Natacha Bouchard. Pour la liste Respirer Calais 2020, Madame Virginie Quenet, Monsieur Christophe Dufy, Madame Linda Kravzik, Monsieur Jean-Pierre Moussaï, Madame Yolande Battel, Monsieur Jean-Philippe Lannoy. Pour la liste Calais pour vous, liste soutenue par le Rassemblement national, Monsieur Marc-Alexandre de Fleurian, Madame Martine Boucher, Monsieur Jean-Claude André, Madame Christine Engrand.
Conformément aux dispositions de l'article L21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, la présente séance sera présidée par le doyen d'âge. Madame Dewey étant excusée, je laisse la place à Monsieur Pierre Leclerc, que j'invite à bien vouloir rejoindre le pupitre. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je déclare ouverte la présente séance du Conseil municipal. Dans le respect des dispositions de l'article L21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal nomme au début de chacune de ses séances un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Pour cette séance d'installation, il est fait recours traditionnellement aux plus jeunes membres de notre Assemblée. Je vous propose donc de nommer M. Pierre Caron. Pas d'opposition ? Adopté. En conséquence, M. Pierre Caron est nommé secrétaire et je l'invite à prendre place à côté de la table de dépouillement. Il a procédé à l'appel nominal par le secrétaire. J'ai à vous présenter les excuses de Madame Jacqueline Dewey, Monsieur Christophe Dufy, Madame Linda Krauswijk, qui, conformément aux dispositions de l'article L2121-20 du Code général des collectivités territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom à Monsieur Philippe Mignonnet, Madame Virginie Quenet, Madame Yolande Battel. Je vais procéder à l'appel nominal des membres élus dimanche 15 mars dernier. Madame Natacha Bouchard, Monsieur Ezzedine Kara, Madame Delphine Ledoux, Monsieur Pascal Pestre, Madame Frédéric Van Roy, Monsieur Daniel Boulogne, Madame Jeannick Fontaine, Monsieur Emmanuel Ajus, Madame Michel Duclois, Monsieur Henri Varozic, Madame Maïté Mulot-Friscourt, Monsieur Ladislas Lozano, Madame Nicole E. Monsieur Gérard Grenat, Madame Stéphanie Guiselin, Monsieur Patrice Cambray, Madame Patricia Massé, Monsieur Philippe Mignonnet, Madame Anaïs Lemaître, Monsieur Jean-Marc Leroy, Madame Edwige Leblond, Monsieur Dominique Daret, Madame Malika Bouazi, Monsieur Laurent Lenoir, Madame Françoise Boyaval, Monsieur Hugo Marcotte-Ruffin, Madame Jacqueline Dewey, à Monsieur Mignonnet, Monsieur Frédéric Hainaut, Madame Amandine Leblanc, Monsieur Julien Cordenos, Madame Christine Alexandre, Monsieur Pierre Leclerc, présent, Madame Joëlle Lannoy, Monsieur Pierre Caron, présent, Madame Sylviane Petit, Monsieur Francis Devin, Madame Claudia Martin, Monsieur Alexandre Novosad, Madame Josiane Mouchon, Madame Virginie Quenet, Monsieur Christophe Dufy, Madame Linda Krauswijk, excusez pouvoir à Monsieur Battel. Madame Battel, pardon. Monsieur Jean-Pierre Moussali,
Madame Yolande Battel, Monsieur Jean-Philippe Lannoy, Monsieur Marc-Alexandre De Florian, Madame Martine Boucher, Monsieur Jean-Claude André, Madame Christine Engrand. Nombre total de conseillers municipaux, 49. Total des présents, 46. Total des excusés, 3. Le quorum étant atteint, le Conseil peut délibérer. Je demande de désigner 4 scrutateurs qui auront pour mission de procéder avec le secrétaire et moi-même au dépouillement des différents scrutins. Il est de tradition de nommer, en assurant une représentation de toutes les listes, les 2 plus jeunes conseillers municipaux et les 2 plus âgés. Considérant la situation sanitaire, je vous propose de désigner les 4 conseillers municipaux les plus jeunes. Je vous propose de désigner Madame Lemaître Anaïs, M. Cordenos Julien, M. Lannoy Jean-Philippe, M. De Florian Marc. Pas d'opposition. En conséquence, Madame Lemaître Anaïs, M. Cordenos Julien, M. De Florian Marc et M. Lannoy Jean-Philippe sont nommés scrutateurs et sont invités à prendre place à la table de dépouillement. L'ordre du jour appelle à l'élection du maire. Conformément aux articles L2122-4, L0212-4-1, L2122-5, L2122-5-1, L2122-6, L2122-7, L2122-8, alinéa 1 et 2, L2122-10, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. Nous allons procéder aux opérations de vote. Celles-ci doivent avoir lieu à bulletin secret. La loi, comme la jurisprudence, n'impose aucune formalité particulière. Toutefois, des isoloirs ont été préparés pour le cas où, allant au-delà des règles de procédure, il serait demandé leur utilisation. Y a-t-il des conseillers qui souhaitent utiliser les isoloirs ? Très bien. Je lance l'appel à candidature. Que les candidats à la fonction de maire se manifestent en levant la main. Oui, Monsieur le Président. Je présente la candidature de Madame Natacha Bouchard. Madame le maire, mes chers collègues, nous sommes enfin rassemblés pour mettre en place le conseil municipal et élire le maire, les adjoints, les commissions municipales. Un exercice qui va permettre aux élus du mandat 2020-2026 de se mettre concrètement au travail. Afin que de vous faire connaître notre positionnement concernant les élections des maires et adjoints, qu'il nous soit permis d'exprimer quelques remarques. Nous souhaiterions tout d'abord remercier l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés le 15 mars 2020 pour accomplir leur devoir électoral. Ces électeurs ont fait le choix de se déplacer dans un contexte qui appelait davantage à craindre les rencontres multiples. Ce faisant, ils ont souhaité nous dire que pour eux, la démocratie avait une réelle importance. C'est bien et c'est fort. Nous souhaiterions ensuite remercier les électeurs qui nous ont accordé leur suffrage. Qu'ils sachent que nous ferons tout pour être dignes du mandat qu'ils nous ont confié. Nous souhaiterions enfin nous exprimer sur le contexte dans lequel se sont déroulées les élections municipales. Alors que la pandémie que nous vivons n'a fait que se développer dès le début du mois de janvier,
que l'ensemble des médias a accompagné les craintes les plus sérieuses comme les plus farfelues, que de nombreux échos faisaient craindre une abstention record. Le gouvernement a décidé envers et contre tout de maintenir le premier tour des municipales pour bloquer tout le pays dès le lendemain. Confinement absolu, fermeture des lieux de rencontre, des commerces, report du second tour des municipales. Comment ne pas comprendre dans ces conditions que moins de 38% des électeurs se soient déplacés dans notre ville ? Une réalité qui tend à démontrer que l'on a eu affaire à des bureaucrates dans leur tour d'ivoire qui, encore une fois, naviguaient à vue et faisaient passer quelques intérêts privés avant l'intérêt collectif. Comme si cela ne suffisait pas, les décisions prises ces derniers jours ne peuvent que conforter nos appréciations. Rentrée des classes, second tour des municipales. Si le gouvernement avait réellement voulu assurer la sécurité des Français, alors il aurait dû donner en urgence aux services de santé les moyens de se protéger, de travailler dans les meilleures conditions. Recommander le port du masque et pas nous prendre pour des imbéciles en prétendant que cela n'était pas utile uniquement parce qu'il n'y avait pas de stock de masques. Reporter la rentrée des classes à septembre. Mettre en chantier le développement de tests fiables pour permettre à chacun de savoir sa situation pour ensuite être accompagné par le corps médical. Inutile d'aller plus loin. Nous voulons collectivement avoir une pensée émue pour ceux qui ont beaucoup donné dans ce contexte de pandémie. Les salariés de la santé, de la sécurité, du commerce, des transports et de la logistique, de la fonction publique territoriale. Nous voulons avoir un souvenir pour ceux qui sont partis et n'ont pu être accompagnés par leurs proches. Nous voulons remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont aidé les autres dans le bénévolat le plus total. Nous voulons remercier les élus, les agents, les bénévoles pour la distribution des masques et nous affirmons notre disponibilité pour les actions de solidarité à venir. Nous tenons à féliciter les Calaisiennes et Calaisiens et toutes les initiatives personnelles et solidaires qui montrent que Calais est un cœur qui bat et qui aime. Nombreux sont ceux qui pensent qu'un nouveau monde, est à construire. Nous en sommes. Et c'est pourquoi nous revendiquons que le gouvernement assume ses responsabilités et ne laisse pas les collectivités territoriales seules face aux problèmes. Nous revendiquons un plan d'urgence pour les services publics de santé. Nous revendiquons une augmentation de pouvoir d'achat pour que tous les Françaises et les Français puissent vivre dignement. Voilà quelques idées que nous souhaitions faire connaître. Elles concernent Calais et la France. Nous vous souhaitons bonne chance pour ce troisième mandat et vœux de réussite pour honorer l'ensemble des promesses de votre carrière politique à la mairie. Nous participerons autant que vous nous le permettrez à la vie démocratique de Calais, le cœur sincère, l'âme honnête et dans le respect de nos valeurs, celles qui nous animent et ne sont pas négociables, au service et dans l'intérêt des Calaisiennes et des Calaisiens. À titre personnel, je tiens à remercier les camarades de ma formation politique, les camarades des formations citoyennes et politiques de gauche et écologistes, puis l'ensemble de mes colistiers, et enfin, et surtout, l'ensemble du collectif citoyen Respirez Calais 2020. Nous avons réussi à construire une gauche citoyenne, rassemblée, porteuse d'espoir pour de nombreuses Calaisiennes et de nombreux Calaisiens. J'en suis très fière. Pour l'élection de ce jour, nous entendons respecter le choix des électeurs. Nous ne présenterons pas de candidats, ni pour le poste de maire, ni pour les postes d'adjoint, et nous ne participerons pas au vote. Nous nous inscrirons, par contre, dans les commissions municipales.
Nous serons une opposition résolue, mais constructive. Je vous remercie. Autre candidature ? Merci Martine d'avoir proposé ma candidature. Monsieur le doyen, mesdames, messieurs, les conseillers municipaux de notre ville de Calais, chers Calaisiens qui nous regardaient grâce au travail des employés de mairie dont je salue le dévouement au service des Calaisiens durant le confinement, je tiens d'abord à remercier les 3332 Calaisiens qui ont apporté leur soutien à la liste Calais pour vous, soutenue par le Rassemblement national et Marine Le Pen le 15 mars dernier. Je salue également la majorité des Calaisiens, plus de 2 sur 3, qui n'ont pas pu se déplacer à cause du coronavirus et dont une grande partie soutient nos propositions. Je salue enfin les résultats obtenus par les municipalités gérées par le Rassemblement national, notamment nos voisins de Hénin-Beaumont, où Steve Briouat a été réélu avec plus de 74% des suffrages exprimés. Véritable plébiscite. La gestion RN, ça marche et ça se voit dans les urnes. Avec le soutien de seulement 19% des suffrages du corps électoral obtenus par l'équipe sortante, sa légitimité est très faible à l'orée du mandat 2020-2026. C'est pourquoi j'ai l'honneur de me porter candidat à la fonction de maire pour porter jusqu'au bout l'engagement de mon équipe et moi-même au service des Calaisiens. D'où parles-tu, camarade, disent les marxistes. À tous les conseillers municipaux ici présents, je propose d'entendre ce que j'ai à dire en notant les éléments suivants. Ma vie a toujours été guidée par le sens du bien commun et le service de mon prochain. C'est parce que j'ai grandi avec un frère handicapé que j'ai ce sujet particulièrement à cœur et que je ne veux laisser personne de côté. C'est parce qu'en tant qu'officier, j'ai défendu des populations dans la guerre civile que je veux protéger ces trésors que sont l'unité et l'indivisibilité de la France. C'est parce qu'en Afrique, j'ai travaillé à la protection de la faune et de la flore que je veux continuer à protéger notre environnement à Calais. Si j'étais maire de Calais, on ne gaspillerait pas des dizaines de millions d'euros dans un dragon et une majestine vides et inutiles, mais on rénoverait les logements et les écoles qui prennent l'eau pour nos familles et nos enfants. Si j'étais maire de Calais, on ne verserait pas, comme le 9 mai dernier, 10 000 euros à une association qui encourage les clandestins à rester ici et empêche les migrants, comme les Français, de vivre chacun chez soi en paix. Si j'étais maire de Calais, les quartiers populaires seraient considérés et on prendrait soin des enfants souffrant d'autisme abandonnés depuis des années et on garantirait partout l'accès aux personnes à mobilité réduite. Si j'étais maire de Calais, on ne menacerait pas les présidents d'associations parce qu'ils ont osé discuter avec un candidat d'opposition pendant la respiration démocratique que représente une campagne électorale. Si j'étais maire de Calais, on ne préempterait pas illégalement la permanence de la force politique majoritaire, mais on respecterait la liberté d'expression de chacun. Si j'étais maire de Calais, on n'interdirait pas dans la panique l'accès aux cimetières et aux jardins ouvriers, mais on aiderait les gens qui en ont besoin à s'y rendre en toute sécurité. Si j'étais maire de Calais, on ne mettrait pas nos aînés dans des bus pour les faire voter à tout prix, malgré le risque de contamination par le coronavirus. Et on protégerait nos proches vulnérables, y compris et surtout après le déconfinement. Si j'étais maire de Calais, la vidéoprotection serait étendue à toutes les zones à risque et surveillée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour permettre à la police de venir en aide à la population sans délai. La maman que j'ai eue hier au téléphone a insisté pour que j'évoque ici le cas de Brandon, son fils de 25 ans, tabassé en plein jour alors qu'il allait chercher du tabac. Si j'étais maire de Calais depuis 12 ans, cela ne serait pas arrivé. Si j'étais maire de Calais, on n'achèterait pas à coup de subventions aux associations les voix de groupes communautaires, dont certains squattent les bureaux de vote comme d'autres tiennent les halls d'immeubles. Cette clientèle électorale finira par manger la main qui la nourrit. Si j'étais maire de Calais,
Je ne cumulerai pas un poste d'assistant parlementaire avec ma fonction de maire pour gratter 4000 euros par mois, mais je consacrerai mon temps à ma ville. Si j'étais maire de Calais, je n'aggraverais pas la crise migratoire en déclarant que les migrants sont une richesse culturelle, mais je ferai preuve de détermination en attaquant l'État en justice pour qu'il remplisse enfin son rôle. À tous les conseillers municipaux ici présents, à qui j'ai parlé de bonne foi et qui, j'espère, m'ont écouté de bonne foi, je vous propose de voter aujourd'hui non en tant qu'affidé politique, mais en âme et conscience. À tous les Calaisiens qui, comme moi, je me passe de vos commentaires, monsieur. À tous les Calaisiens qui, comme moi, aiment leur patrie et leur ville, je dis on ne lâche rien. Je vous remercie. Je récapitule les candidatures. Madame Natacha Bouchard, Monsieur Marc de Fleurian. Nous allons passer au vote. Mais avant cela, conformément aux instructions sanitaires, je vous rappelle l'obligation de vous nettoyer les mains au gel hydroalcoolique avant manipulation des enveloppes et bulletins de vote. Pas d'opposition ? En conséquence, Madame Lemaître Anaïs, Monsieur Cordenos Julien, Monsieur Marc de Fleurian, Monsieur Lannoy Jean-Philippe sont nommés scrutateurs et sont invités à prendre place à la table de dépouillement. Ah oui, d'accord. Je suis passé tout de suite. Je vous en prie. Ah, d'accord, ok. S'il n'y a pas utilisation des isoloirs, vous disposez dans votre dossier situé dans votre pupitre d'une enveloppe élection du maire, contenant elle-même une enveloppe et les bulletins de vote, dont un bulletin de vote blanc. Il vous est demandé d'effectuer votre choix à votre place. Je demanderai dans quelques instants à l'huissier de passer parmi vous pour recueillir vos suffrages. Merci.
Conformément aux instructions sanitaires, un seul scrutateur doit toucher les enveloppes et les bulletins. Dès lors, le premier scrutateur doit ouvrir l'enveloppe, sortir le bulletin, le déplier et le tendre au deuxième sans lui donner, pour lui permettre de lire le contenu du bulletin sans le toucher. Les troisième et quatrième scrutateurs doivent tenir la feuille de décompte. Natacha Bouchard. 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 Marc de Fleurion.
Marc De Fleurian. Natacha Bouchard. Marc De Fleurian. Natacha Bouchard. 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 Marc De Fleurian. Premier tour de scrutin. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 43. Bulletin blanc, 0. Suffrage exprimé, 43. Majorité absolue, 22. Ont obtenu Madame Bouchard, 39 voix. Monsieur De Fleurian, 4 voix. Madame Natacha Bouchard ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est proclamée maire de la ville de Calais. Et je l'invite à prendre place dans le fauteuil majoral.
Merci à toutes et à toutes pour votre confiance. Après l'élection des adjoints, entourée de cette nouvelle équipe, je vous dirai bien sûr quelques mots pour lancer en fait le début de ce troisième mandat. Nous allons passer donc à l'élection des adjoints, conformément à l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités. Les adjoints sont élus de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Préalablement, y a-t-il des demandes pour utiliser les isoloirs ? Non. La liste « Se battre au quotidien pour chaque Calaisien » a déposé une liste. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a une autre liste à déposer ? Nous allons procéder sous votre validation au nombre d'adjoints qui est fixé à 14. Sur le nombre d'adjoints fixé à 14, y a-t-il des votes contre ? Pas de vote contre, non-participation au vote du groupe de Mme Quenet. Les 14 adjoints peuvent donc être installés. Oui, le groupe Rassemblement national ne prend pas part au vote. Merci. Donc 39 voix pour et non participation au vote. Pour la liste « Se battre au quotidien pour chaque Calaisien », je propose M. Emmanuel Ajus, Mme Patricia Bassé, M. Ezzedine Cara, Mme Maïté Mulot-Friscourt, M. Philippe Mignonnet, Mme Nicole E, M. Pascal Pestre, Mme Michel Duclois, Monsieur Gérard Grenat, Madame Stéphanie Guiselin, Monsieur Patrice Cambray, Madame Edwige Leblon, Monsieur Ladislas Lozano et Madame Malika Boisy. Pas d'autres listes à déposer, je vais donc passer au vote de la liste présentée. Qui ne participe pas au vote ? Si c'est 4, 10. Qui vote pour ? C'est un bulletin secret ? Donc je vous invite à prendre votre bulletin de vote et à le glisser dans l'enveloppe. N'oubliez pas le gel avant de toucher les papiers. Thank you.
Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. Liste présentée par Natacha Bouchard. Liste présentée par Madame 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 Natacha Bouchard. D'accord. Vote nul. Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. 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 Liste présentée par Madame Natacha Bouchard.
Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. Liste présentée par Madame Natacha Bouchard. Merci. La liste, donc, se battre au quotidien pour chaque Calaisien ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, sont donc nommés adjoints au maire. Sur 39 suffrages exprimés, dont un nul, Monsieur Emmanuel Ajus, Madame Basset, Monsieur Cara, Madame Mulot-Friscourt, Monsieur Mignonnet, Madame E, Monsieur Pestre, Madame Duclois, Monsieur Grenat, Madame Guiselin, Monsieur Cambrai, Madame Leblon, Monsieur Lozano, Madame Boisy. Je vais maintenant vous inviter à prendre place à l'appel de votre nom et à me rejoindre sur l'estrade. Monsieur Emmanuel Ajus, premier adjoint. Chargé des projets de l'aménagement et de l'habitat. Madame Patricia Basset. Adjointe aux affaires générales. Monsieur Ezzedine Cara. Adjoint aux solidarités, AUX, vie des quartiers, aînés, santé, handicap, solidarité. Madame Maïté Mulot-Friscourt.
adjointe à la jeunesse, à la petite enfance et à l'éducation du premier degré. Monsieur Philippe Mignonnet. Adjoint aux sécurités et à l'environnement, à la police municipale, à l'hygiène, à la salubrité, à la police elle-même de l'environnement et de l'habitat. J'appelle Madame Nicole E. Adjointe au commerce et à l'artisanat. J'appelle Monsieur Pascal Pestre. Adjoint à l'attractivité du territoire, tourisme, culture, animation, promotion et événementiel. J'appelle Madame Michèle Duclois. Adjointe à l'économie sociale et solidaire. J'appelle Monsieur Gérard Grenin. Adjoint aux ressources financières. J'appelle Madame Stéphanie Guiselin. Adjointe au sport, j'appelle Monsieur Patrice Cambray. Adjoint au personnel, j'appelle Madame Edwige Leblon. Adjointe aux associations, j'appelle Monsieur Ladislas Lozano. Adjoint aux travaux et au domaine public. J'appelle enfin Malika Boisy.
d'autres délégations, dans quelques semaines, verront le jour pour venir accompagner l'équipe de nos adjoints. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chères Calaisiennes et chers Calaisiens, je peux vous l'assurer, on ne s'habitue jamais à ces moments si exceptionnels dans la vie d'un homme ou, en l'occurrence, dans la vie d'une femme. Au moment de débuter officiellement mon troisième mandat, cette séance diffusée en direct sur le site et la page Facebook de la ville, c'est aux Calaisiennes et aux Calaisiens que je souhaite m'adresser. Chacun le comprend, le conseil municipal qui nous réunit aujourd'hui est un temps particulièrement émouvant pour moi et à double titre. En tant que maire d'abord, car vous avez fait le choix, dès le premier tour des élections municipales, de m'accorder votre confiance pour la troisième fois. Le 15 mars dernier, en dépit de ce contexte inédit, c'est sans ambiguïté que vous vous êtes exprimé et que vous avez décidé du projet que vous vouliez pour Calais. Le 15 mars dernier, vous avez de nouveau tourné le dos aux méthodes du passé et avez réaffirmé, cette fois encore, votre profond rejet des extrêmes, de gauche ou de droite, droite dont vous avez entendu déjà il y a quelques minutes la philosophie du Front National qui démarre son mandat avec une opposition à l'association Emmaüs qui s'occupe des plus fragiles sur le Calaisis et qui a pignon sur rue. Le 15 mars dernier, vous avez choisi une équipe qui m'entoure, qui est nombreuse dans cette salle, à votre image, fière de Calais, convaincue de son potentiel et de ses formidables atouts pour mettre en œuvre un projet alliant l'ambition sur le plan économique, touristique, culturel, à la solidarité dans le champ social et du vivre ensemble. Au cours des dernières années, les épreuves que nous avons affrontées ensemble ont été nombreuses et parfois douloureuses. Dans la tempête, c'est bien les biens dans vos messages amicaux, dans vos messages d'encouragement et dans nos échanges particuliers lors de nos rencontres que j'ai toujours puisé la force de me battre. Ces témoignages de sympathie et d'affection n'ont pas seulement été une source de réconfort pour moi. Ils sont aujourd'hui encore une incitation à m'impliquer toujours plus, à donner le meilleur de moi-même et à me dépasser lorsque les circonstances l'exigent. Et sur ce point, je pense que l'on m'accordera que c'est tout de même fréquentement le cas. On me dit souvent que j'ai beaucoup donné de moi-même à Calais. J'en ai toujours eu conscience. Être maire de Calais n'est pas une fonction comme une autre. Elle implique un engagement de tous les instants, tant les sujets sont multiples et la plupart du temps complexes. Je ne l'ai jamais caché non plus, être maire de Calais impose de consentir régulièrement à des sacrifices personnels qui bien souvent s'exercent au détriment de sa famille. Alors oui, j'ai beaucoup donné et je donnerai encore beaucoup à Calais, car telle est ma volonté. Quoi qu'il en soit, je garde toujours à l'esprit que je ne parviendrai sans doute jamais à vous rendre tout ce que vous m'avez donné. Avec le recul et sans doute avec la tempérance et l'expérience que seule confère la fonction de maire, je suis convaincue que tous les événements difficiles que nous avons vécus ensemble ont tissé entre nous des liens extrêmement forts. Ces liens se traduisent à la fois
par une compréhension mutuelle, une fierté partagée d'être calaisien, et je le crois, par un attachement réciproque auquel je tiens profondément. Je remercie chacune et chacun d'entre vous de la confiance que vous m'avez témoignée à l'occasion de ces élections municipales. En toute simplicité, c'est du fond du cœur que je vous dis merci. À l'occasion de cette séance, je tenais également à m'adresser à l'équipe qui m'a accompagnée tout au long de la campagne et qui m'entoure aujourd'hui. Chaque combat électoral est une aventure humaine à part entière. Et le moins que je puisse dire, c'est que celle-ci a été marquée par une mobilisation d'une rare intensité. Rassurez-vous, mes chers collègues, les mois et les années qui viennent seront tout aussi intenses. Pendant des semaines, vous vous êtes démultipliés pour aller à la rencontre des Calaisiens, dans tous nos quartiers, échanger avec eux, recueillir leurs attentes, leurs besoins, comme autant de porte-à-porte du projet que nous avons élaboré ensemble. Certes, avec beaucoup d'ambition, mais toujours avec méthode et pragmatisme. Par-delà nos sensibilités respectives, par-delà nos parcours personnels ou professionnels, et surtout, par-delà de nos étiquettes politiques, c'est collectivement que nous avons défendu le projet auquel nous croyons pour Calais. Je suis fière d'être à la tête d'une équipe aux compétences multiples, à la démarche si volontariste et peut-être davantage encore aux qualités humaines et riches. Parmi les conseillers municipaux et adjoints installés aujourd'hui, vous êtes nombreux à être nouvellement élus. Je sais qu'il vous tenait à cœur que vos proches puissent assister à ce moment qui restera unique pour chacun d'entre vous. Contexte sanitaire oblige, nous avons été contraints de réunir cette assemblée dans le format le plus restreint. C'est pourquoi je souhaitais avoir une pensée pour l'ensemble de vos familles qui ont accepté que vous consacriez moins de temps à vos vies personnelles pour vous investir au sein de notre collectivité. Permettez-moi d'associer cette pensée plus personnelle à ma maman, à ma famille et à mes amis qui ne peuvent être présents aujourd'hui. Bien sûr, moi aussi, j'aurais souhaité qu'elle soit à mes côtés, cette maman, à l'occasion de cette troisième investiture. D'autant plus qu'elle a été touchée par cette maladie qui l'a contrainte à 6 semaines d'hospitalisation. Fort heureusement, bien qu'elle soit encore fatiguée, je me rassure de la revoir reprendre des forces chaque jour. Toujours en raison du contexte sanitaire, les colistiers non élus ne peuvent pas non plus être à nos côtés aujourd'hui. Au nom de l'ensemble du nouveau groupe majoritaire, je leur renouvelle nos remerciements les plus chaleureux pour l'implication sans faille dont ils ont fait preuve, non seulement lors de la campagne, mais aussi au cours des dernières semaines, en participant activement aux différentes opérations de solidarité organisées pendant le confinement. Je veux leur dire toute notre amitié et toute notre reconnaissance envers cet engagement qui est désintéressé et qui les honore. Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous aurons plaisir à les retrouver pour partager un moment d'amitié et enfin célébrer cette belle victoire que nous avons collectivement remportée. J'associe bien sûr à ces remerciements plus personnels ma direction de campagne et l'équipe qui l'a constituée, ainsi que mes plus proches collaborateurs. En ce jour d'installation du Conseil, je tiens également à m'adresser à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Fidèle à la conception que je me fais du rôle du maire, je tiens à rassurer ceux qui en douteraient. Mon engagement à la tête de la municipalité, c'est avant tout un engagement pour les Calaisiens, pour tous les Calaisiens. C'est un investissement déterminé et passionné, au sein duquel
les étiquettes politiques n'ont jamais primé sur l'intérêt général, pas plus que sur la considération de chacun. Je l'ai dit souvent, je le répète aujourd'hui, mon parti s'est calé. Obtenu dès le premier tour, ce résultat m'honore autant qu'il m'engage à continuer de me battre au quotidien pour chaque Calaisien. À l'aube de ce nouveau mandat, je suis résolument déterminée à poursuivre mon engagement de tous les instants, non seulement pour défendre les intérêts de l'ensemble de la population, mais également pour que Calais atteigne définitivement le rang de station balnéaire et de ville innovante auquel elle peut légitimement prétendre. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a eu aucune transition entre ce dimanche des élections municipales et la gestion de la crise sanitaire. C'est aussi ça, être maire de Calais, passer d'une configuration à une autre sans avoir le temps de savourer, ni avec son équipe, ni avec ses proches, une victoire remportée. Deux mois plus tard, je ne crois pas trop m'avancer en affirmant que localement, la gestion de cette situation inédite présente un bilan dont nous n'avons pas à rougir et loin de là. Si les choses se sont déroulées dans de bonnes conditions, et sans doute parce que nous n'avons pas attendu que le président de la République annonce le 16 mars l'entrée en vigueur du confinement pour prendre les devants et anticiper la commande de certains matériels qui ont tant manqué par la suite dans certains territoires et en France. Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte. Une fois de plus, le vieil adage d'Émile de Girardin a démontré toute sa jeunesse. C'est dès le 28 février, retenez cette date, que j'engageais une première commande de gel hydroalcoolique, de produits divers désinfectants pour les bâtiments municipaux, de gants et de plus de 100 000 masques chirurgicaux. Nous n'avons donc pas été pris de court par l'annonce présidentielle et avons immédiatement été en capacité d'équiper l'ensemble des agents dont les fonctions nécessitent une présence sur le terrain et au contact au public. Cette anticipation nous a permis très vite d'épauler le centre hospitalier lorsque les premières difficultés d'approvisionnement se sont fait sentir. Dès la matinée du 16 mars, je réunissais l'ensemble des directions générales de la ville, de l'agglomération, du CCAS pour activer le plan de continuité d'activité des services, permettant ainsi de maintenir la plupart des missions assurées par nos collectivités. Au cours des deux derniers mois, c'est sans relâche que je me suis quotidiennement mobilisée pour élaborer, puis piloter les différents dispositifs nécessaires à l'accompagnement de chacun, et en particulier des plus fragiles et de nos aînés. Cette implication de tous les instants s'est aussi traduite par de multiples démarches entreprises auprès de nombreux fournisseurs pour récupérer le maximum de matériel sanitaire. Les tensions sur le marché étaient tellement fortes, j'ai suivi moi-même les différentes commandes passées pour m'assurer que jamais Calais ne serait oublié. Ce suivi journalier, quasi heure par heure, a permis de soutenir au premier plan l'hôpital, mais aussi les professionnels de santé libéraux exerçant à Calais sur le périmètre de notre agglomération et d'équiper les agents municipaux, communautaires et du CCAS. En ces temps de crise tout à fait exceptionnels, la solidarité s'est exercée aux quatre coins du pays et Calais n'a pas dérogé à la règle. À ce titre, je souhaite mettre à l'honneur les fournisseurs locaux qui ne nous ont jamais fait défaut au cours des dernières semaines. Je pense notamment aux entreprises d'Imex, à celle de Gotek, à la société Balzan, à M. Jean-Louis Dussard lui-même, ancien dentelier calaisien, qui nous a aussi approvisionné en masques d'un autre pays dont il résidait. Je remercie chaleureusement M. Grégory Duvieux-Bourg
directeur de chez Dimex, M. Gavin Tell, gérant de chez Gotek, M. Laurent Marc, président directeur général du groupe Marc, pour l'efficacité et le sérieux de leur collaboration. Mais j'ai également à cœur de saluer l'ensemble des initiatives qui ont germé spontanément et qui se sont, elles aussi, inscrites dans un esprit de solidarité cher au cœur des Calaisiens. Je ne peux tous les citer, mais je pense par exemple au dentelier d'Arker, au magasin TTC 2000 qui a fourni du tissu au centre hospitalier, des surblouses, ainsi que la mobilisation des couturières indépendantes de certains centres sociaux et de très nombreuses associations. Pendant le confinement, j'ai également porté une attention particulière à ce que cette solidarité s'exerce vers tous les petits-enfants calaisiens, considérant que la situation n'était pas moins difficile pour eux que pour les adultes. Dans ce cadre, ce sont plus de 7000 kits éducatifs qui ont été distribués aux élèves du premier degré scolarisés dans les écoles de Calais. Parallèlement, pour faire en sorte que ces journées sans camarades ni jeu collectif ne soient trop longues, j'ai aussi veillé à ce que la page Facebook de la ville soit régulièrement alimentée en idées d'activités ludiques, sportives, artistiques à pratiquer à la maison. Je remercie les associations, les centres sociaux et l'ensemble des personnes qui ont participé à l'opération Bien calé chez soi en nous envoyant leur contribution. Ce lien n'aurait pu être maintenu sans la mobilisation quotidienne de l'ensemble des agents du département communication que je remercie pour leur réactivité et leur implication. Merci Jocelyn, merci Caroline, merci Fred, merci Nicolas, entre autres. La solidarité pendant le confinement, c'est enfin celle incarnée envers les plus fragiles et nos aînés par le CCS que je préside. Plus de 650 colis alimentaires ont été livrés aux résidents des foyers. Près de 20 000 appels ont été passés auprès des plus fragiles. Les bénéficiaires de l'aide à domicile ont continué à être accompagnés. Les familles rencontrant le plus de difficultés ont toujours pu trouver une écoute attentive. Au nom de notre Assemblée, je tiens à remercier chaleureusement Madame Muriel Milon, directrice du CCAS, et l'ensemble de ses équipes. Au cœur de la gestion de la crise, il m'aura également fallu, tout au long des derniers mois, maintenir la plus grande vigilance vis-à-vis de la problématique migratoire. À multiples reprises, j'ai continué d'alerter le gouvernement sur les risques sanitaires qu'il faisait courir à la population calaisienne. Comme aux migrants eux-mêmes, d'ailleurs, en décidant que les mises à l'abri interviendraient exclusivement sur la base du volontariat. Comme je l'ai toujours fait, je continue de me battre aux côtés des riverains, en particulier ceux de la route de Gravelines et ceux du secteur des Platanes, pour que leurs demandes tellement légitimes soient entendues et comprises, y compris au plus haut sommet de l'État. Le 28 avril dernier, le Premier ministre présentait à l'Assemblée la stratégie de déconfinement, entrée en vigueur le 11 mai. Là encore, comme je l'avais fait fin février en commandant du matériel, j'ai souhaité anticiper ces annonces afin de nous préparer à cette nouvelle étape d'ores et déjà décisive. Conformément aux recommandations scientifiques préconisant très largement le port du masque, à compter de l'âge de 6 ans, j'ai décidé de fournir des masques réutilisables à l'ensemble des Calaisiens. Distribution en porte-à-porte de ces masques tissus qui a débuté le 14 mai dernier. Cette opération mobilise plus de 300 personnes, 150 binômes qui distribuent dans tous les secteurs qui quadrillent la ville et une trentaine de personnes qui assurent la réception des livraisons et le conditionnement des masques au Forum Gambetta. Je tiens à remercier à des remerciements appuyés
à l'ensemble des agents municipaux, des bénévoles, des élus et à mes colistiers impliqués dans cette opération d'envergure qui a nécessité une certaine organisation logistique. Parallèlement, nous recevrons dans quelques jours aussi une dotation de masques réutilisables par le biais de l'action mise en place par le président Xavier Bertrand, que je remercie pour sa mobilisation. Ces trois dernières semaines, dans le cadre de la préparation du déconfinement, mon agenda a été fortement accaparé par la délicate mais essentielle question de la réouverture des écoles. En totale concertation avec monsieur le sous-préfet, mesdames les inspectrices de l'éducation nationale, madame la directrice générale à l'enseignement, j'ai pris la décision de rouvrir progressivement les écoles à partir du 18 mai. Lundi dernier, toutes nos écoles publiques ont rouvert leurs portes, commençant ainsi à accueillir de nouveau les enfants. Dès cette semaine, nous avons été en capacité d'assurer la restauration scolaire et de proposer un service de garderie pour les enfants des publics prioritaires, forces de l'ordre, de secours, professionnels de santé, personnel de l'éducation. Expliquer, rassurer, accompagner chacun, c'est tout le sens de l'action que j'ai impulsée avec les services de la direction générale adjointe à l'éducation. Dans un tout autre registre, mais ô combien important pour une ville balnéaire comme la nôtre, un travail de fond a également été effectué pour permettre la réouverture de la plage. Là encore, avec l'appui de la police nationale, de la police municipale, nous mettons tout en œuvre pour favoriser la distanciation sociale et veiller à l'application des gestes barrières. Si le civisme de chacun reste le maître mot en matière de prévention et de limitation des risques de contamination, nous pouvons désormais compter sur un renfort équestre. Il y a quelques jours, aux côtés de l'association Les Sabots du Cœur, la garde Terres et Mers de Calais a vu le jour. Composée de 4 magnifiques chevaux boulonnais de cavaliers expérimentés qui habitent le territoire, la garde arpente la plage depuis le jeudi de l'Ascension. Son rôle est avant tout de la médiation, puisqu'il consiste à rappeler au public les règles sanitaires qui doivent être respectées. Tout au long de cette crise sanitaire, aussi bien pendant le confinement qu'à sa sortie, la responsabilité pesant sur les épaules des maires ont été nombreuses. Chacun en convient, le coût de la crise sera considérable pour l'État. Mais il serait opportun de rappeler qu'il le sera tout autant pour les collectivités territoriales, en particulier pour les communes et les intercommunalités contraintes de pallier les manquements nationaux. Globalement, pour la ville, les frais induits par la crise sanitaire représentent d'ores et déjà près d'1 million d'euros entièrement ponctionnés sur le budget municipal pour faire face à cette situation inédite. Parallèlement à la charge financière induite par les communes, les conséquences de cette pandémie s'exercent directement sur nous, les maires, qui, encore plus que d'habitude, nous retrouvons en première ligne et assumons seuls les responsabilités qui nous sont déléguées. Si le cadre général est posé par les services de l'État à l'échelle nationale et ensuite départementale, l'application concrète des diverses directives repose bien, quant à elle, sur les premiers magistrats. Au cours de ces 2 derniers mois, j'ai été amenée à prendre bien souvent, dans des délais très courts, de multiples décisions. Dans cette entreprise, j'ai toujours su compter et pu compter sur l'implication et le dévouement des services municipaux auxquels je souhaite adresser une nouvelle fois, au nom de l'ensemble des Calaisiens, au nom de l'ensemble de cette Assemblée, nos plus vifs remerciements. Mobiliser dès le début de la crise dans des conditions très difficiles, toutes les directions générales ont fait preuve de réactivité et de savoir-faire, démontrant ainsi leur profond attachement à la qualité du service public.
Je tiens à saluer Monsieur Leray, directeur général des services, Madame Butter, directrice générale adjointe à l'éducation, Monsieur E, directeur général des services techniques, Monsieur Loriot, directeur général adjoint des services techniques, Monsieur Desmet, directeur de l'assainissement et de la collecte, Madame Segar, directrice générale adjointe au développement économique, Madame Pesanowski, directrice des ressources humaines, Madame Deneuf-Église, directeur général adjointe aux finances, Monsieur Foissé, directeur général adjoint à l'attractivité, Madame Lépine, directrice du service des assemblées, Monsieur Chrétien, directeur de la police municipale, ainsi que le service du marketing en la personne du développement et du service communication en la personne de Monsieur Martinache. Au nom de notre assemblée, je souhaite aussi avoir une pensée toute particulière pour nos agents qui ont été exposés au public et qui ont continué à assumer leur mission avec un grand professionnalisme. Je suis fière de pouvoir compter sur des équipes de cette qualité pour accompagner et servir les Calaisiens. En 2008, quelques instants après avoir été investie maire, je vous disais ceci. Je suis consciente que les attentes sont lourdes. Je suis consciente de la détresse de certains. Toute mon énergie sera tournée vers les objectifs que j'ai définis. Je le ferai sans faiblesse, tant dans le respect des uns des autres. 12 ans plus tard, même si les obstacles n'ont pas manqué, je ne crois pas avoir manqué à ma parole. Le premier mandat a été celui de la pose des fondations, préalable indispensable à la mise en œuvre du projet pour lequel vous m'avez élu avec mon équipe. Entre 2008 et 2014, nous avons rappelé aux différentes instances régionales, nationales, que Calais figurait toujours sur la carte de France. Les investisseurs et autres acteurs culturels ont commencé à nous regarder différemment et, tout comme nous, à mesurer tout le potentiel de Calais, de son bassin de vie, largement fondé sur les infrastructures stratégiques que sont le port et le tunnel. De 2014 à 2020, la crise migratoire sans précédent à laquelle nous avons été confrontés a indéniablement ralenti la dynamique que nous avions envisagée dès le premier mandat en termes de développement économique et d'attractivité. Au mi-temps de 2017, une fois la jungle démantelée, mon équipe et moi-même avons tout mis en œuvre pour changer en profondeur l'image de Calais, si durement éprouvée par les tristes clichés relayés par des médias du monde entier. En créant Calais Plage, en nous engageant collectivement dans la formidable aventure du Dragon de Calais, en faisant le pari de placer la culture au cœur de notre stratégie de développement, en poursuivant la rénovation urbaine initiée dans tous nos quartiers, en construisant patiemment un projet social au sein duquel chaque Calaisien a sa place, quelles que soient ses origines, sa condition, son parcours de vie, nous avons fait en sorte que Calais relève la tête et aborde son avenir avec ambition et sérénité. Alors s'ouvre le mandat 2020-2026 et j'ai pleinement conscience que nous faisons face à un double défi. D'une part, gérer les conséquences économiques de cette crise sanitaire dont l'impact s'inscrira irrémédiablement et dans sa durée. À cette première tâche, je m'y consacre d'ores et déjà pleinement puisque dès la première semaine du confinement, j'ai créé une cellule économique chargée d'accompagner entreprises, commerçants, artisans dans leur démarche. Récemment, l'accompagnement proposé en termes de conseils et d'ingénierie s'est doublé d'un soutien financier direct, cumulable avec les dispositifs proposés par l'État et la région. Porté par l'agglomération, abondé par la ville, cette enveloppe de près de 3,5 millions à 4 millions d'euros a été mobilisée pour venir en aide à ces acteurs économiques de proximité. Sachez qu'à ce jour, c'est déjà 500 dossiers qui ont été déposés et 200 qui sont déjà instruits. Les premiers règlements partiront
dès la semaine prochaine. D'autre part, en raison de ce contexte inédit que nul n'aurait pu prévoir, il nous faudra sans doute redoubler des efforts pour pouvoir engager la totalité du projet pour lequel la population nous a fait confiance le 15 mars dernier. Au cours de ces dernières semaines, nous sommes parvenus à concilier gestion de crise, suivi des dossiers engagés et mise en œuvre des nouveaux projets. Très prochainement, avec l'aide de M. Grégory Piré pour l'agglomération, nous ouvrirons des nouvelles promenades qui viendront nous donner des espaces supplémentaires. Prochainement, les promenades donc de la digue royale et du Perret du Risban seront accessibles au public. Toujours en matière de qualité de vie et d'environnement, je présenterai dès la semaine prochaine la première phase du plan vélo, plus précisément les aménagements cyclables auxquels nous procéderons très rapidement dans le cadre du déconfinement, ainsi que d'un plan d'accompagnement pour l'achat de vélos de ville. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers Calaisiens, quelles que soient les difficultés, et elles ont été nombreuses lors des deux premiers mandats, l'énergie et la volonté ne m'ont jamais quittée. Pour Calais, pour vous, je n'ai jamais reculé. Le courage et la détermination ne m'ont jamais manqué. Je n'ai jamais cédé au fatalisme ni au pessimisme. Aujourd'hui encore, face à ces nouveaux défis et épaulé par l'équipe qui m'entoure, je ne céderai pas non plus au défaitisme. Le général de Gaulle disait « L'action, ce sont les hommes au milieu des circonstances. » Alors non, je ne reculerai pas, car comme hier, je reste intimement convaincue que les Calaisiennes et les Calaisiens méritent tous les sacrifices. Vive Calais, vive les Calaisiennes et vive Calais. Merci. Nous avons encore quelques petits points pour clore l'installation de ce premier conseil municipal. Il faut que je vous donne lecture de la charte « Il n'y a pas de prise de parole » de l'élu local prévue à l'article L11-11-1-1 du même code. Petit 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Petit 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Petit 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Mes chers collègues, vous trouverez dans vos pupitres, comme le veut la loi, la copie de l'intégralité de cette charte
et des articles du Code général des collectivités territoriales consacrés aux conditions d'exercice des mandats locaux afin de pouvoir vous permettre de démarrer votre mandat, quel que soit l'élu que vous soyez dans cette Assemblée, pour que vous puissiez prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement donc de la collectivité. Je vais passer maintenant donc à la délégation de pouvoir. Je vais demander aux adjoints de rejoindre leur pupitre d'origine, puisqu'il y aura des opérations de vote afin d'éviter les déplacements pendant ces trois dernières opérations de vote. Je rappellerai les élus en fin de séance pour clore le Conseil. Donc, en administration municipale, je vous demande de bien vouloir approuver les délégations inscrites dans la délibération qui donc fixe les modalités et les arrêtés pour permettre de pouvoir démarrer ce mandat comme il faut en fait pouvoir le réaliser afin de faire continuer le fonctionnement de notre collectivité. Sur cette délibération de délégation de mandat, est-ce qu'il y a des non-participations au vote? Est-ce qu'il y a des votes contre? Une demande d'intervention de Madame Quenet. Et une demande d'intervention de Madame Engrand sur le cadre de la délibération. Je tiens à rappeler que la parole sera retirée si le cadre ne dépend pas de la délibération. Madame le maire, chers collègues, chers Calaisiens, je me joins à ma collègue et camarade Virginie Quenet pour remercier les électeurs qui nous ont fait confiance pour porter leur voix. Je prends cette charge très à cœur et je formule le vœu que nous puissions travailler tous ensemble, en bonne intelligence, dans un respect mutuel pour l'intérêt des Calaisiens. J'aimerais profiter de cette délibération pour rappeler que c'est bien le conseil municipal et non pas le maire qui est décisionnaire des affaires de la commune. La loi permet, par cette délibération, de déléguer une partie des pouvoirs du conseil municipal au maire. Trop souvent, cette étape est négligée et considérée comme allant de soi. Un petit point, comme vous disiez tout à l'heure. Mais si nous pouvons reconnaître que certaines décisions ont besoin d'efficacité et de réactivité lorsqu'elles ne peuvent attendre la tenue d'un conseil municipal, transférer tous ses pouvoirs dans les mains d'une seule personne va à l'encontre du rôle démocratique du conseil municipal et empêche la tenue de débats qui peuvent permettre d'enrichir les décisions par la diversité politique de l'Assemblée. Et si dans ce cas, un compte-rendu des décisions est obligatoire, il n'a qu'un rôle informatif puisque les décisions sont déjà prises. Il s'agit donc de trouver un juste milieu entre efficacité d'un côté et démocratie de l'autre, en conservant les pouvoirs importants et qui méritent débat dans toute la lumière du conseil municipal. Et c'est là que le bât blesse. Dans cette délibération, vous nous demandez, Madame le maire, de vous octroyer 26 pouvoirs sur les 29 que vous permet la loi. Avez-vous vraiment besoin de décider seul de la signature d'emprunt qui engage les finances de la ville, parfois au-delà du mandat ? Avez-vous vraiment besoin d'exercer le droit de préemption sans condition ni limitation, seul, sans en débattre? Pourquoi l'affectation des locaux de la ville ne peut être décidée par le conseil municipal? Ce ne sont là que quelques exemples de pouvoirs qui vont vous être définitivement octroyés par cette
délibération. Nous vous demandons donc, Madame le maire, de vous limiter au pouvoir strictement nécessaire afin que notre assemblée délibérante ne soit pas qu'une simple chambre d'enregistrement, mais le véritable cœur démocratique de Calais. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. À défaut, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Madame Engrand. Madame le maire, chers collègues, je rejoins ce que le collègue précédent vient de dénoncer. Nous estimons aujourd'hui que, si vous voulez, par cette délibération, nous vous donnons, Madame le maire, tous les pouvoirs et que démocratiquement, nous ne serons pas représentés. Et donc, 26 pouvoirs sur 29, je pense que c'est énorme. Donc, nous serons contre cette délibération et nous voterons contre cette délibération. Merci, Madame le maire. Deux petites précisions. D'abord, pour répondre aux emprunts, le conseil municipal autorise les emprunts par le vote du budget et la délibération donne le pouvoir de les souscrire. Donc, sans autorisation du conseil, je ne peux pas souscrire d'emprunt. Donc, je pense qu'il y a peut-être confusion. C'est une remarque, à mon sens, nulle et non avenue. Ensuite, très simplement, nous ne faisons qu'appliquer la loi. Je ne dépasse pas, je dirais, juste le cadre de la loi, voilà, qui est donné en tant que pouvoir du maire. Donc, dans le plus strict respect des délégations attribuées au maire, voilà, vous devez simplement accepter le choix des Calaisiens. Et c'est à mon équipe et moi-même qu'ils ont choisi de faire confiance. Donc, c'est effectivement l'Assemblée du groupe majoritaire qui... fixera certaines conditions pour lesquelles vous pourrez, en tant qu'opposant, au fil du temps, dans les comptes rendus, intervenir sur certains appels de votre part, comme je le fais systématiquement à chaque conseil, des observations. Sur la délibération, on a donc des votes contre. Vous levez bien la main, sinon nous avons 3 votes contre, des non-participations au vote, une non-participation au vote. Je vous remercie. Et les abstentions, 6 abstentions. Excusez-moi, même que nous arrivons donc aux conditions de dépôt en fait des listes pour les commissions d'appel d'offres. Donc, avant de déposer la liste, il faut que vous puissiez valider les conditions dans lesquelles les listes vont être déposées. Donc, il vous est proposé de fixer les conditions des dépôts de listes. Qui doivent indiquer les noms, prénoms des candidats au poste de titulaire ainsi qu'au poste de suppléant. Les listes peuvent comprendre moins de 2 noms qu'il n'y a de sièges de titulaire et de suppléant à pourvoir. Elles doivent être déposées sous enveloppe cachetée auprès du maire lors de la suspension de séance que je vais devoir effectuer pendant minute, le temps que vous puissiez me communiquer en fait cette liste. Sur ces grands principes pour passer à la composition ensuite d'appel d'offres, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Madame Quenet? Le micro, on amène le micro même Quenet parce que on ne vous entend pas du tout d'ici. Oui, merci. Pouvez-vous simplement nous préciser le nombre de sièges qui peuvent être pourvus pour les élus de la liste Respirez Calais, s'il vous plaît? Alors,
Sur le mode de scrutin, vous avez certainement bien lu en fait la délibération. Il s'agit d'un vote à la proportionnelle, donc il n'y a pas de d'affectation. Ok. Merci. Par groupe, c'est le vote à la proportionnelle qui prime. Donc sur la proposition, est-ce qu'il y a des votes contre ? Pas de vote contre. Des abstentions ? Pas d'abstention. Non participation, vote. Elle est donc adoptée. Je suspends la séance quelques instants pour qu'on puisse récupérer les listes déposées. Thank you.
Ah, il manque un bulletin pour un pouvoir. C'est pas évident. Donc je vous propose de... Tout le monde a eu la totalité des bulletins des listes. Avant de passer au vote, donc je vais présenter les listes. Nous reprenons donc la séance. Pour la commission d'appel d'offres, donc mon groupe majoritaire et moi-même présentons en membre titulaire la candidature de M. Emmanuel Ajus, M. Philippe Mignonnet, M. Gérard Grenin, M. Patrice Cambray, M. Dominique Darret. En membre suppléant, M. Julien Cordenos, M. Ladislas Lozano, M. Pascal Pestre, M. Frédéric Hénault, M. Laurent Lenoir. Pour la liste de Mme Quenet, en membre titulaire, ont été déposés M. Jean-Philippe Lannoy et membre suppléant, M. Jean-Pierre Moussaï. Pour la liste du RN, en membre titulaire, M. Marc-Alexandre de Fleurian et M. Jean-Claude André en membre suppléant. Je vous demande donc de bien vouloir procéder au vote. Même
Liste de Madame Bouchard. 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 Liste de Madame Kinney. Liste de Madame Kinney. Liste de Madame Kinney. Liste de Monsieur De Fleurian. Liste de Monsieur De Fleurian. Liste de Monsieur De Fleurian. Liste de Madame Kinney. Liste de Madame Kinney. Liste de Monsieur De Fleurian. Liste de Madame Kinney. Liste de Madame Bouchard. 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 Liste de Madame Bouchard.
Liste de Madame Bouchard. Liste de Madame Bouchard. Liste de Madame Bouchard. Par quoi ? Madame Lépine. Je pars. La liste de Madame Quenu, je pars pour une année. Nous avons eu donc un nombre de bulletins de 39, suffrages exprimés 49, un quotient électoral à 9,8. Pour la liste de la majorité, sur 39 voix, nous avons 4 sièges. Pour la liste de Mme Quenet, sur 6 voix, 1 siège. Et pour la liste du Rassemblement national, 4 voix, donc 0 siège, ayant 5 postes à pourvoir. Sont donc élus M. Emmanuel Ajus, M. Philippe Mignonnet, M. Gérard Grenat, M. Patrice Cambray et M. Jean-Philippe Lannoy, ainsi que les suppléants dont je n'ai pas tous les détails. Monsieur Jean-Pierre Massailly, Monsieur Julien Cordenos, Monsieur Ladislas Lozano, Monsieur Pascal Pestre et Monsieur Frédéric Hénaud. Avant de clore cette première installation de conseil, je vais appeler les adjoints bien vouloir me rejoindre. Je tiens à remercier pour l'excellence de l'organisation de cette installation dans des conditions sanitaires irréprochables les services qui ont contribué à organiser, préparer et à être présents ce matin. Je remercie les Calaisiennes et les Calaisiens, encore une fois, pour leur soutien, pour avoir suivi cette séance d'installation. Et je leur donne rendez-vous, puisque engagement avait été pris que les conseils seraient retransmis
En image, ce sera bien sûr le cas. L'engagement voilà, est pris, il est tenu. Un des premiers engagements que nous mettons en œuvre. Un très bon dimanche à toutes et à tous. Préservez-vous de votre santé. N'oubliez pas les gestes barrières. Mais surtout, voilà, profitez aussi, je dirais, du déconfinement. Il y a de grands espaces à Calais, de promenades, donc n'hésitez pas à les emprunter. Pour clore donc ce conseil, je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour entamer la Marseillaise. Merci à tous. Félicitations.